liberté, égalité, fraternité. République d'Haïti, arrêté. Joslerm Privert, président provisoire. Vu la Constitution, notamment des articles 133, 136, 137, 155, 156, 158, 159.1, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 169.1, 170 et 171. Vu l'accord politique en date du 5 février 2016, considérant qu'il y a lieu de nommer un nouveau Premier ministre, arrête. Article 1er. Le citoyen Fritz Alphonse Jean est nommé Premier ministre de la République. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 25 février 2016, en 213e de l'indépendance. Nous sommes tous ici présents cet après-midi pour procéder à l'investiture solennelle du Premier ministre nommé M. Fritz Alphonse Jean. Il s'agit d'une grande décision prise conformément aux articles 137 et 158 de la Constitution de la République et à l'accord politique du 5 février dernier. Je remercie le Premier ministre sortant, M. Evans Paul, pour sa contribution inestimable à la recherche d'un climat d'apaisement du point de vue sécuritaire et social dans le pays et pour avoir fait marcher l'administration publique pendant les derniers jours. Je remercie aussi les membres du gouvernement sortant pour tous les services rendus à la nation dans l'exercice de leurs fonctions. Également, je remercie tous ceux et toutes celles qui sont venus participer à cette investiture, laquelle témoigne de la volonté inébranlable de la présidente de la République et de celle du Parlement d'assurer la continuité institutionnelle et la poursuite du processus électoral entamé en 2015, conformément à l'accord politique du 5 février dernier. Monsieur le Premier ministre nommé, je vous félicite et profite de l'occasion pour vous remercier d'avoir accepté de servir notre pays en qualité de Premier ministre. Votre investiture témoigne de ma volonté, comme je l'ai souligné dans le discours de mon investiture, comme président provisoire de la République, de garantir la protection et la consolidation des institutions républicaines, de la démocratie et de l'état de droit, et de veiller à la sauvegarde constante de l'intérêt général. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous rappeler que ma présidence est fondée sur quatre grands axes prioritaires. La formation d'un gouvernement, la redynamisation du Conseil électoral provisoire, la poursuite du processus électoral, la gestion efficace et efficiente de l'administration publique. Par ailleurs, en référence à l'accord politique daté du 5 février dernier, nous devons nous efforcer à accomplir ensemble les grands axes dans un délai maximum de 120 jours tel que prévu dans l'accord du 5 février dernier. Bien entendu, nombreux sont ceux qui affirment déjà que ce délai qui m'est imparti est au court. Toutefois, en ce qui me concerne, je reste convaincu que c'est faisable dans le délai imparti, moyennant la bonne volonté politique de nous tous. C'est pourquoi chacun, en ce qui le concerne, est invité à faire de son mieux pour le strict respect de ce délai. Honorables parlementaires, je suis particulièrement heureux de vous présenter officiellement le Premier ministre nommé. Il est le résultat de près de 2 semaines de consultations engagées avec tous les secteurs de la vie nationale, tels que prévu au point 2 de l'accord du 5 février. C'est l'occasion aussi pour moi
de remercier publiquement tous mes compatriotes qui étaient proposés pour occuper cette fonction, les partis et organisations politiques, les blocs politiques représentés au Parlement, les organisations populaires et personnalités qui ont tous participé à ces consultations et qui nous ont aidés à faire ce choix. Monsieur le Premier ministre, vous devriez dans les prochains jours vous présenter devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur votre déclaration de politique générale. Je souhaite vivement que cette déclaration obtienne un vote favorable. Ainsi, nous devons continuer à faire preuve de dépassement de soi et à nous élever à la hauteur de notre tâche d'homme d'État. Nous devons nous situer au-delà de nos clivages politiques et idéologiques pour doter le pays d'un gouvernement tout en tenant compte du délai imparti en vue de la continuité institutionnelle et de la poursuite du processus électoral. Ce faisant, nous nous montrons tous que les pouvoirs de l'État travaillent pour la paix, l'harmonie, la concorde et la solidarité. Conformément à notre légende, l'union fait la force et notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. En notre qualité d'homme et de femme d'État, nous devons y contribuer grandement. Mes chers compatriotes, je vous adresse cet après-midi un message de confiance, de paix et d'unité nationale. Haïti compte sur ses filles et ses fils. Sans union, il ne peut exister de force dans le pays. Il est temps pour nous de chercher, sans hésitation aucune, l'entente et l'harmonie entre les pouvoirs de l'État, les secteurs vitaux de la vie nationale et les acteurs politiques du pays. L'avenir du pays ne repose ni sur un citoyen, ni sur un parti politique. L'avenir du pays repose sur nous tous. Aujourd'hui, il nous faut un sursaut poussé de patriotisme. C'est l'heure pour chacun de nous de faire des sacrifices, au surtout de l'unité nationale. C'est l'heure aussi pour nous de conjuguer nos efforts pour sauver Haïti par le dialogue et le respect de nos responsabilités. Nous avons des responsabilités envers nous-mêmes, envers les générations futures. Nous n'avons pas droit à l'échec. Nous, tous ces Haïtiens, on suspend perd du temps, on travaille pour pays à avancer. Monsieur le Premier ministre nommé, je sais que vous êtes doté de qualités et de compétences pour remplir cette fonction avec honneur et dignité en ce moment historique de notre vie de peuple. Je vous demande de travailler à la fonction d'un gouvernement de consensus qui doit inclure toutes les sensibilités politiques formées d'hommes et de femmes, connues pour leur engagement, leurs compétences, leur intégrité et surtout leur dévouement à la cause démocratique. Ce gouvernement a la mission essentielle d'œuvrer à la dynamisation du Conseil électoral, à la poursuite du processus électoral entamé en l'année 2015 et à une bonne gestion des affaires de l'État. C'est à cette tâche que je vous appelle. Je vous demande donc de l'assumer pleinement et de jouer toute votre partition pour ensemble nous créons la paix, la stabilité et la concorde au sein de cette famille. Je vous remercie et merci à tous les membres du corps diplomatique, à tous mes compatriotes, à toutes les organisations politiques qui nous ont aidés pendant ces quelques jours par la consultation à faire ce choix au bénéfice de notre pays. Monsieur le Président de la République, je vous remercie de la confiance placée en ma personne. Choisir a certainement été difficile dans le contexte actuel, où tout le monde veut servir et propose son expertise. Je me félicite néanmoins de cet engouement légitime et je tâcherai de mettre à contribution ce désir de chacun de servir son pays pour avancer et réussir avec plus de chance. Monsieur le Président, je suis conscient que la principale mission que vous m'avez confiée est de gagner la confiance de tous les acteurs parties prenantes de cette crise politique aiguë. J'accepte d'occuper la primature avec un esprit de dépassement, de concorde et de grande humilité. Chaque arrivée d'une nouvelle équipe au pouvoir, chaque ouverture d'une situation exceptionnelle suscite un ensemble d'espoir, de changement. Et au bout du compte, à la fin de l'expérience, à l'enchantement du début, prennent place les déceptions et les désillusions. Sur plusieurs décennies,
Notre pays a par conséquent cumulé un ensemble de frustrations dues à des promesses non tenues. Les progrès souhaités ne sont pas arrivés et les problèmes non résolus ont créé des paralysies et une situation de moins en moins gérable. 30 années après l'ouverture de la transition démocratique, notre pays se trouve en face de gros défis issus de nos errements. Aujourd'hui, il s'agit de se mettre ensemble, de lier nos énergies pour faire naître la volonté de faire les choses autrement. Il s'agit autant de sortir le pays de l'improvisation et le faire entrer dans une nouvelle ère de planification, de rendre fonctionnelles ces institutions pour réorganiser l'État, le réorienter en fonction des services à fournir à la population et à tous nos fils, toutes nos filles et tous nos fils. Prendre en compte les besoins de la femme et de l'homme haïtien. Agir désormais en fonction de la quête du bonheur du peuple haïtien. Voilà ce que doit être la mission principale de l'État. L'État de droit où chaque citoyen est égal devant la loi, où chacun est comptable de ses actes. Cet État qui inspire confiance, où les entreprises prennent en compte leurs responsabilités sociales, le devoir de partage pour la restauration et le rapatriement de notre dignité, tant individuelle que collective. Avec le chef de l'État, nous avons une mission courte, mettre tout le monde ensemble, faire participer tout le monde à la construction de la base qui provoquera à plus long terme le miracle de la renaissance haïtienne. Dans l'urgence, nous devons créer les conditions nécessaires à la réalisation d'élections crédibles, honnêtes et transparentes et parallèlement, rétablir la stabilité macroéconomique en procédant au redressement des finances publiques. Nous sommes venus pour permettre par ces actes et des gestes citoyens le retour de la confiance entre nous, dans la divergence, mais dans une finalité de concorde. Les défis sont énormes, mais en regardant d'où nous sommes sortis, prenons comme modèle la mise en commun de nos ancêtres et leur leitmotiv, l'union fait la force, pour doper nos esprits et notre énergie pour partir gagnant. Monsieur le Président, en concertation avec vous et l'ensemble des secteurs concernés, et particulièrement le Parlement, nous ne tarirons pas d'efforts pour adresser les préoccupations de la population et nous assurer que la paix et la stabilité, garantes de son mieux-être, règnent. Les choix sont difficiles et nous aurons à agir avec intelligence, discernement, mais aussi avec fermeté et rigueur. Il nous appartient d'entreprendre des actions dans le très court terme, qui certes adresseront les urgences, mais seront aussi structurantes